Indéniablement, ce sont les mobilités qui ont créé effectivement les conditions pour que le virus circule à nouveau. Puisque vous vous rappelez, en juin, on avait quasiment plus de cas. Donc c'est effectivement le brassage de population. Mais je dirais que le brassage, il est tant du continent ou d'ailleurs vers l'île que aussi les Corses qui ont pris des vacances ou qui ont fait des séjours professionnels sur le continent ou pour toute autre raison. Après, la circulation du virus, elle est sur l'île, c'est-à-dire qu'elle concerne désormais tout un chacun sur l'île, résident ou non résident. Donc il ne faut pas penser que le départ des touristes crée les conditions d'une diminution de la circulation du virus. Au contraire, cette circulation étant existante sur l'île, ça nous amène, nous résidents, à avoir vraiment conscience de la nécessité de respecter les mesures barrières. Depuis le début de la crise, on donne toutes les informations qu'on a. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet, je dirais. On donne tous nos chiffres. C'est vrai que parmi les cas positifs, ces dernières semaines, on a eu davantage de cas jeunes positifs asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne présentaient pas les symptômes. Donc c'est vrai que c'est une partie de la population, les jeunes, qui peuvent être asymptomatiques.